Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. On les avait connus trois et ils ne sont plus désormais que deux depuis que Auguste a décidé de quitter le groupe. La sortie du tout dernier album de X-Malaya, Back to the Roots, avec Roger et Ice, vient en quelque sorte acter leur rupture. Ce n'est pas la première fois dans l'environnement musical camerounais qu'un groupe se sépare d'un ou de plusieurs de ses membres, au point de faire dire à certains observateurs que les Camerounais n'ont pas la culture des groupes et dans un environnement économique devenu difficile pour les artistes. Qu'est-ce qui fait problème? Nous poserons la question à nos deux invités, Roger et Ice, du groupe X-Malaya. Merci de rester fidèles à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Messieurs, bonjour. Roger, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, comment vas-tu? Ça va. Merci Ice d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, je commence par vous, Roger. Oui. Alors, votre dernier album, il est sorti depuis quelques mois, Back to the Roots. Et c'est un album qui flaire bon le passé. Hein. Tout à fait. Il était important qu'on rende hommage à ceux qui ont bercé, qui ont fait l'histoire de notre culture en général, de notre musique en particulier. Oui. Nous sommes dans un environnement où l'oubli veut être institué. Et nous, nous disons non. Dans notre domaine, il était question pour nous de rendre hommage à ces anciens-là pour dire aux gens qu'avant nous, il y avait d'autres qui étaient là. Ils ont fait de très bonnes choses. Et que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont existé et qu'ils ont porté très haut la musique camerounaise. Mm. Donc, il était important pour nous, dans un premier temps, de rendre hommage à ces icônes-là et de rappeler que nous avons une racine. C'est cette racine, nous avons une racine, nous avons un passé. Et c'est ce passé-là qui doit être notre chemin pour l'avenir. Ces icônes-là sont notre histoire. Et il est important pour nous de les célébrer, de nous inspirer d'eux pour pouvoir avancer. Alors, Ice, vous avez travaillé sur cet album et vous avez quand même repris les plus grands, Manu Dibango, Eboi Le Temps, Pierre Didi Tchakounté, Samson Shoga, Esso et Samba, et j'en oublie certainement. Alors, pour vous en particulier, est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de replonger un peu dans l'histoire, on peut dire, de la musique camerounaise? Oui, tout à fait. Non seulement replonger, mais découvrir aussi certaines chansons parce qu'il fallait faire une sélection. Oui. Et c'était pas facile de choisir. On a tellement d'icônes, surtout ici au Cameroun. Et comme Roger a dit, c'était important pour nous de ramener ces chansons qui ont été numéro un à leur époque à la lumière pour que les gens redécouvrent. Ces chansons et que certains se rappellent aussi qu'avant nous, il y avait des grands hommes qui ont fait des grandes choses. Alors, combien de temps ça vous a pris pour travailler sur cet album? Parce que j'imagine qu'il y a d'abord eu un premier travail d'inventaire. Parce que choisi, comme le dit Ice, parmi cette foultitude de grands talents que nous avons connus dans ce pays, il fallait d'abord commencer par un inventaire. Combien de temps tout cela vous a pris pour sortir l'album? Oui, beaucoup de temps. Je crois que c'est beaucoup d'années quand même. Depuis que nous avons commencé cette carrière-là, vous remarquerez que chacun de nos albums, nous tenons toujours à rendre hommage à une icône. Et Boile Auteur a été beaucoup repris. Dans votre album Révolution, vous avez créé Madame Mulatto. Exactement. Avant ça, dans le deuxième album X-Malaya, nous avons repris Bimba Mutasawa. Oui. Donc nous avons toujours tenu à rendre hommage à ces icônes-là parce que ils sont notre inspiration. Donc l'inventaire dont tu faisais allusion tout à l'heure a été fait depuis des années. C'est des musiques que nous continuons, nous, d'écouter. Et la demande était forte parce que chaque fois qu'on arrivait sur une scène, chaque fois qu'on rencontrait des fans, surtout les fans d'un certain âge, nous disaient, mais vous avez repris au Balotin, reprenez aussi ça, on a envie d'écouter ça, il faut que les jeunes découvrent, il faut que les jeunes sachent que. Donc c'est toute cette motivation-là qui a donné cet album-là. Donc c'est un travail de longue haleine et c'est une très très belle expérience parce que nous avons expérimenté le travail avec d'autres arrangeurs. Vous savez que nous sommes dans un environnement où les métiers de la musique n'existent presque pas. Ouais. C'est-à-dire que si je vous dis aujourd'hui, Jean-Bruno, est-ce que vous connaissez un compositeur camerounais? Vous aurez du mal. Est-ce que vous connaissez un auteur? Vous aurez du mal. Est-ce que vous connaissez un arrangeur spécialisé dans l'arrangement? Vous aurez du mal. Il en existe. Oui. Il en existe. Mais en général, on est focalisé essentiellement sur ceux qui sont à l'écran. Oui, mais, et même ceux qui auraient pu être des compositeurs ou des auteurs veulent être
au devant de la scène. Oui. C'est le problème que nous avons. Donc c'est un problème que nous, dont souffre notre industrie. Mm. Et de travailler avec un arrangeur comme Frédéric Ndoumbé, je vous avoue que c'était la première fois que nous travaillons avec d'autres arrangeurs qui t'apportent autre chose, qui te fait sonner ta musique différemment. Lorsque vous écoutez cet album, lorsque les chansons commencent, vous avez de la peine à croire que c'est Ex-Malé. C'est après la voix, quand la voix arrive, vous êtes ah oui, mais machin. Donc ça a été une très belle expérience. Et je crois que nous allons insister dans ça parce que c'est comme ça que les choses se font dans la norme. Alors il y a eu quand même des reprises qui m'ont bouleversé. Par exemple, la salsarisation de Martine de Ebois Lautin. Vous avez osé. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Oui. C'est, il faut dire bravo à l'arrangeur. Oui. C'est le travail de l'arrangeur. Oui. C'est-à-dire que tu lui mimes une mélodie et lui prend le risque de t'amener ailleurs. Oui. Tu vois, et c'est Fred Ndoumbé qui a fait cet arrangement. Oui. Lorsqu'on l'a écouté, on a dit, waouh, le mec là, il nous amène où. Oui. Et nous nous sommes rendus compte à ce moment-là, lorsqu'on travaille cet album, que en réalité, l'histoire de Ex-Malé a fait que commencer. Nous ne sommes pas encore arrivés à 20% de notre potentiel. Oui. Et lorsqu'on continuer à travailler avec ces méthodes-là, je suis sûr qu'on va explorer des horizons inimaginables. On fera des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas pu imaginer parce que cette reprise en salle, ça, moi qui suis fan des Bois Lautin, j'ai jamais imaginé qu'on peut faire un truc sale. Ça, oui, justement, j'ai trouvé ça assez bouleversant. Ils ont osé. Ils ont osé parce que, en général, pour des jeunes artistes, que vous êtes, malgré toute la longue expérience que vous avez avec Ex-Maléa, parfois, c'est un peu intimidant donc, de voir s'attaquer comme ça au patrimoine musical des icônes comme Ebois Lautin. On a parlé de Esso et Somba tout à l'heure. C'est intimidant, non? Oui, c'est très intimidant parce que ce sont des belles chansons qui ont marqué l'histoire et il ne faut pas se louper. Oui. Donc on a eu le plaisir de travailler avec des grands arrangeurs, comme Roger a dit, et aussi des grands musiciens qui ont apporté de leur esprit avec tout leur cœur et qui ont donné ce résultat. Donc nous sommes très très fiers. Oui. Ah, vous avez osé et puis le résultat il est là. Moi j'ai regardé quelques réactions sur votre chaîne YouTube, il y a plein d'émotions et vous avez repris également une chanson de Pierre Didi Tchakounté. Oui. Alors ça c'est quelque chose de terrible aussi. Oui, c'est avec plaisir qu'on a repris cette chanson parce que c'est une chanson, c'est notre préférée de Pierre Didi. On avait le choix, on pouvait reprendre une ou deux autres chansons, mais nous avons choisi celle-là. Alors il y a une chanson de Pierre Didi Tchakounté, Tonta. Tonta me tchoundoye. C'est également une magnifique chanson. Tout à fait. Le choix n'a pas été facile. Hein, oui, on aurait pu reprendre celle-là aussi. Mais de notre point de vue, celle qui était. C'est-à-dire qu'avant de faire une reprise, il ne faut pas que ce soit mathématique, il ne faut pas que ce soit robotisé, il faut que ce soit le choix du cœur. Il faut que ton cœur te dise bon, j'ai envie de faire celle-ci. Parce que lorsque tu mens, lorsque tu ne donnes pas la sincérité lorsque tu chantes, le gars qui perçoit ça le ressent. Donc les chansons que nous avons choisies, c'est les chansons que nous kiffions, permettez-moi de le dire comme ça. Donc, où vas-tu, Madame Jeanne? Ça, c'est un truc qui nous a bercé, nous, à l'époque, on regardait Télé. Alors, par contre, moi, j'ai été assez. J'étais mort de rire quand j'ai écouté cette chanson pour l'accent. L'accent n'est pas bon. Je n'oserais pas, mais je me suis dit, est-ce que Roger, il sait ce qu'il chante? Exactement. Oui. Je sais que c'est. Tant mieux que tout le monde ne comprenne pas ce qui se dit, mais évidemment qu'on nous aura dit un peu ce qui était dit dans la chanson. C'est un peu, mais c'était avec beaucoup de plaisir. Parce que pour moi qui suis un puriste du Mendjumba, la langue banganté, quand j'ai écouté, je me suis dit, ah ben tiens, c'est pas mal, ça c'est magnifique. Au niveau de l'accent, c'était déjà ça. Et c'est assez courageux également de prendre une telle chanson dans une langue qui n'est pas forcément la vôtre. Tout à fait, c'était un magnifique parcours linguistique au studio. Ouais. C'est-à-dire que le gars arrive le matin et qu'il écrive mot par mot. Oh manga bumbula, et comment il répète ça bumbula. Et même toi qui es, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, tu vois. Et c'est une expérience à renouveler. Et cette langue là, elle est magnifique, elle offre tellement de possibilités dans la musique. Ah, je vous dis, hein, il faut qu'on. Alors comment on réagit toutes ces personnes que vous avez repris? Est-ce que vous avez, je sais, vous avez fait par exemple un duo extraordinaire avec Esso et Somba, vous avez travaillé avec lui. Par contre, Pierre Didi Tchakounté, comment est-ce qu'ils ont réagi au résultat final?
Alors, ils ont eu deux réactions. Mm-hmm. La première réaction, c'est OK, le téléphone sonne et c'est X-Malia. Ah, mes enfants, ça va? Mm-hmm. OK, d'accord. Vous allez bien? Comment se porte le Cameroun? Le mec, il te sonde d'abord, il ne sait pas pourquoi tu l'appelles. Il dit peut-être tu l'appelles pour un concert, un truc, tu vois. Donc le gars, il est curieux, quoi. Oui. Après, tu lui exposes le projet. Papa, je suis très honoré de t'entendre. Nous avons un projet, on aimerait reprendre une séance. Ah bon? Donc le gars, il est surpris. Oui. Il faut aller. Parce qu'il y a longtemps qu'on les a oubliés, les mecs. Oui, il y a ça. Et il y a aussi la proximité entre les gens. C'est-à-dire que. Que X-Malia reprenne Black Steel, bon oui, ça c'est plus près de oui. X-Malia, oui. Mais que X-Malia ait envie de reprendre près Didi, c'est tellement décalé dans l'esprit. Oui. C'est, personne n'aurait pensé à ça. Lui-même, il dit, ah waouh, vous allez reprendre. Il dit, ok, allez-y, faites, je vais entendre. Et quand il te dit, faites, je vais entendre, c'est dans son esprit, il n'est même pas convaincu. Mm-hmm. Il s'est dit, ah les jeunes là, ils vont encore les blaguer. Mm-hmm. Alors tu fais les premiers enregistrements, tu lui envoies. Il va dire, waouh. Ouais. Wow. Il a redécouvert sa propre chanson. Ouais. Il dit, c'est ça là? On a dit, non, c'est une maquette, mais on va encore. Et du coup, le gars était à fond avec nous. Nous sommes devenus, c'est notre papa aujourd'hui, on s'appelle tous les jours en vidéo. Ah, oui. Je crois que pendant l'émission, on va l'appeler pour lui dire bonjour. Et ah oui, c'est ça, ça sera magnifique. On va donc lui faire, ça a noué des liens, c'est des personnes bien. Ouais. Il faut leur rendre cet hommage-là. Ouais. Il faut que tout le monde le fasse, c'est un devoir. Ouais. Moi, je lis souvent, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que je trouve que c'est plus bruyant que pertinent. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans la réflexion. Mmh. Et des fois, je lis des commentaires. J'ai lu le commentaire d'une dame une fois. J'ai eu la chance de la rencontrer. Oui. Elle disait, elle aimait la chanson Bang Bang Sophistiqué oui. Là. Oui. Mais qu'elle estime que la reprise un peu, elle préfère la version originale. Mais moi, je lui dis, madame, je vous mets au défi. Montrez-moi un seul CD original de Pierre Didi que vous avez chez vous. Non. À combien de concerts de Pierre Didi êtes-vous allé? Ouais. Combien de musiques de Pierre Didi avez-vous acheté? Tu sais, les gens sont là, ils sont toujours en train de critiquer, mm-hmm. mais ils ne font rien. Ils laissent ces gens-là passer dans l'indifférence ouais. tous les jours devant nous. Je pense que je veux dire. L'objectif d'une reprise pour les artistes que vous êtes, quand on fait une reprise, il est question de revisiter la chanson autrement. L'objectif ouais. n'est pas de reproduire ce que l'artiste avait déjà fait, sinon ça ne sert à rien. Hein. De tout. Par exemple, quand moi j'ai écouté Mangambo Sophistiqué, c'est vraiment tout autre chose. Hein. Il y a le fond musical, il est le même, mais vous avez revisité cette chanson-là vraiment autrement. Oui, c'est ça le but. À notre manière, avec notre personnalité. Absolument. C'est le but à propos de la personnalité. Donc l'objectif, c'est pas de reprendre la chanson pour faire exactement ce que l'artiste avait fait. Exactement, et j'insiste là-dessus, nous ne pouvons pas continuer de voir nos icônes passer comme ça et ouais. rester indifférents. C'est juste pas possible. Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du sport, mmh. vous voyez comment ces anciens sportifs sont traités. Ouais. Je ne sais pas si c'est une volonté, ouais. mais c'est dommage qu'on... Globalement, on a un gros problème de mémoire dans ce pays. Hein. C'est fait exprès, en fait. Ouais. Je trouve que nous ne parlons pas souvent assez à la télé, hein, mais mmh. l'occasion nous est offerte. Je trouve qu'il y a, la mauvaise foi de chez chacun d'entre nous, mmh. chez chacun d'entre nous, de dire Jean-Bruno, c'est qui? Jean-Bruno A. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Et c'est dommage parce que quand je fais ça, je me fais mal à moi-même. Tu vois. C'est quoi les repères? C'est quoi nos repères finalement? Nous qui avons les enfants s'inspirent de qui? Oui. Je serais flatté que mon enfant me dise, papa, je veux devenir comme Jean-Bruno. Et des icônes, c'est pas parce que tu es là. Oui. On doit les célébrer en tout temps. Oui. En tout temps. On a ce problème au Cameroun et c'est juste triste aujourd'hui. Les référents dans notre domaine, les référents seraient les icônes de nos voisins qui sont les Nigériens. Mmh. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que la musique, c'est quelque chose d'ouvert et où il n'y a pas de restrictions, mais je crois qu'il faut être jaloux un peu de son héritage et ouais. de dire que, ok, moi, voilà ce que je vais vendre, tu vois. Chez nous, c'est du genre non, quoi. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais sa chose? Pourquoi est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué, oui. C'est une mentalité qui va nous mener à la perte. Ouais. Aïs, j'ai écouté
en boucle plusieurs fois, votre chanson avec Tati et Yon. Ah. C'est une tuerie, cette chanson, j'ai adoré. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette chanson et vous chantez dans une langue locale, c'est magnifique quoi. Comment vous avez fait? C'est une chanson que j'ai composée avec l'équipe. Et là, comme c'est une chanson d'amour, il fallait bien choisir une chanteuse oui. qui pouvait jouer ce rôle. Tati Yon, qui chante. Et j'ai trouvé que Tati Yon correspondait parfaitement à cette chanson avec sa voix. Et comme on avait planifié faire une chorégraphie, oui. Même pendant qu'on était au studio, je crois qu'elle était l'idéal pour cette chanson. Oui. Donc tout s'est passé vraiment très bien. Oui. Une chanteuse très talentueuse. Et voilà, c'était un grand plaisir. Très bonne danseuse, très belle voix, et c'était un plaisir. Alors le clip, c'est réussi quoi, le clip il est réussi. Merci. Ouais, ouais. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette chanson. Revenons un peu, Roger, sur ces reprises. Vous avez travaillé également avec Un Vieux de la Vieille, C'est une icône, Esso et Somba. Aujourd'hui, vous avez le privilège de pratiquement en avoir fait un ami, non? Oui, c'est une grâce, c'est une... Ouais. Et ce Somba, c'est une Bible. Ouais, c'est ouais, une Bible. Ouais. Au-delà du chant, nous avons passé des journées à parler de l'histoire de la musique, à parler des dysfonctionnements de la musique au Cameroun, de l'industrie de la musique au Cameroun, à parler de l'écriture, parce ouais. que après, malheureusement, je crois que c'est une chance, hein, mais des fois aussi ça nous dessert. Le fait que nous ayons trop de langues là, ça nous, oui. des fois c'est un peu... C'est une richesse oui, mais qui handicape souvent oui. des fois. Mmh. Parce que si tout le monde pouvait comprendre comment ces papas-là écrivaient, oui. c'était... Oui. C'était excellent. C'était... Alors, par exemple, sa chanson Alors, j'adore cette chanson, mais je n'aime pas ce qu'il dit là-dedans. Et c'est cette chanson que vous avez repris. Tout à fait. C'est un classique de la musique camerounaise. Et vous avez repris également un deuxième classique, cette fois en duo avec lui, Meso. Oui. Magnifique chanson également. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. C'est l'histoire de ce jeune-là qui quitte sa famille. Mm. Qui va chercher la vie, quoi, tu vois, et qui dit à sa femme de garder ses enfants, de garder leur vieux lit. Tu vois les gens que les gars utilisaient, oui, oui. garder leur vieux lit, parce que quand je reviendrai de là où je suis parti, parce que je suis parti pour toi, chérie, lorsque je reviendrai, je te donnerai l'amour. Mais sauf que quand le gars est revenu, il a trouvé que sa femme papillonnait un peu, binding, elle allait descendre un peu. Alors je comprends maintenant un commentaire que j'ai vu sur votre chaîne YouTube, parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté en disant « Moi-même, je m'apprête à rentrer au 237 ». Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'était pour réagir par rapport au thème de la chanson. Tout à fait. Je comprends maintenant. Alors, vous avez fait toutes ces reprises, et puis vous le rappeliez tout à l'heure à juste titre, ce n'est pas la première fois que vous reprenez. Chaque fois dans vos albums, vous essayez de revisiter le patrimoine musical camerounais, et Boileau Ting semble être votre préféré. Il y a eu Ngona Moulatou qui était extraordinairement repris. Est-ce que vous ne craignez pas, à un moment donné, qu'on vous accuse de manquer d'inspiration? Nous sommes dans le pays de... À force de... Non, nous sommes dans le pays de l'inculture. Oui. Et il n'y a que... cet exercice-là. Oui. Il n'y a que les grands qui se prêtent à cet exercice. Je crois que tu lis les bouquins. Oui. Tous les grands dans le monde se sont prêtés à cet exercice. C'est un exercice. Oui. C'est un exercice. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Et ce que je dirais en plus, c'est que faire une reprise est plus difficile que créer. Du bas de ma petite expérience, je vous dirais que faire une reprise est plus difficile que créer. N'oublie pas ce que je vous dis. Tu vois? Et cet exercice-là, il est réservé où tout le monde se risque pas dans cet exercice. Ça n'a rien à voir. Le nombre de chansons que nous avons en studio, même dans ma voiture, là, si on descend, vous allez halluciner. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est cette mentalité-là, tu vois? Et quand un esprit faible rencontre ce genre de point de vue, ça peut l'affecter. Oui. Il ne faut pas qu'on arrête de célébrer les gens parce que les gens vont dire que tu manques d'inspiration. Oui. Non. Il faut qu'on... Le jour que X Malé assis John près de la ville, lorsqu'on aura 80 ans, je prie de toutes mes forces qu'un jeune arrive et qu'il reprenne Yelele. Oui.
Pas parce qu'il manquera d'inspiration, parce qu'il faut... C'est un travail qu'il faut faire aussi. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Là, même dans les plus grands succès de la musique américaine aujourd'hui, je dis tout, les mecs, ils Michael ont Jackson, de Temptation. Tout le monde. Ouais. Manu Dibango, ouais. Richard Bonnat, même le grand Richard aujourd'hui, il conclut ses concerts avec hey, oh, mais oui. Dernier, c'est parce que Richard manque d'inspiration. Ça, le juste, c'est de l'inculture. Et ce que j'aimerais aussi dire ici, c'est que. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, mais bon, les médias ne donnent plus trop d'écho à ce genre. Le Cameroun va tellement mal, le Cameroun a tellement de problèmes qu'on a besoin d'avancer et d'être pertinent aujourd'hui avant de dire quelque chose. Il faut qu'on se renseigne. Alors, Aïs, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la musique est beaucoup plus facile de nos jours que par le passé, au regard de l'expérience de Back to the Roots? Oui et non. C'est plus facile parce qu'avec la technologie, oui. Tu peux être chez toi avec une machine, une bonne carte de son, tes instruments. Tu peux composer une musique avec les cours gratuits qu'on a sur YouTube. Tu peux apprendre à mixer, masteriser, apprendre les accords, apprendre toutes les techniques possibles et le faire. Non, parce que contrairement à nous quand on venait de commencer, oui. Les jeunes d'aujourd'hui ne bénéficient pas de certaines petites infrastructures, oui. C'est ça? Oui. Oui. All right. Qu'on avait quand on a commencé. Quand vous avez commencé, oui. Parce que nous, tous les grandes vacances, on pouvait expérimenter parce que chaque semaine, il y avait un concert ici, des petites salles. Oui. On pouvait jouer là. Ça nous permettait d'améliorer notre style, de se découvrir, de découvrir ce que le public aime. Maintenant, il n'y en a presque plus. Du coup, les jeunes n'ont pas d'endroit où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent se découvrir. Il n'y a que des... Il y a beaucoup plus de salles qui sont des cabarets, mais ce sont des salles où on joue de la musique dynamique et le public là-bas s'attend à ce qu'ils savent. Ils veulent se déstresser, ils veulent s'amuser, donc il faut qu'ils écoutent des chansons qu'ils connaissent, des tubes et tout. Donc il y a moins d'espace où les jeunes peuvent expérimenter, peuvent essayer des choses et se découvrir. Donc c'est pour ça que je dis oui et non. Oui. Alors je ne suis pas réactionnaire pour un sou, cela vous rassure, mais suis la même question, Roger. Est-ce que pour toi aujourd'hui, être musicien, faire de la musique, c'est plus facile aujourd'hui qu'avant? Surtout que tu as revisité quand même quelques classiques de la musique camerounaise. Tu parlais tout à l'heure de l'écriture et tout ça. Ouais. Je crois que c'est une question très difficile. Oui. Tu vois, chacun vit avec son époque. On ne peut pas rentrer en arrière en ayant les aptitudes d'aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que si on nous avait mis à cette époque-là, avec les réalités de cette époque, sans avoir comme bagage ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'on aurait pu. C'est comme si on me disait que lorsque Maradona jouait au foot, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Chacun vit avec son époque, chacun vit avec ses difficultés, voilà. Mais ce que je dirais, c'est que à l'époque quand même, je pense que faire de la promotion était plus facile. Oui. Je me souviens qu'à une certaine époque, tu passais à Télépodium le samedi, lundi, tu étais connu. Tu étais connu dans toutes les discothèques. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Voilà, il y a tellement de multitudes de médias, de moyens de communication font que pour qu'on soit entendu aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Mais après, je ne veux pas comparer. C'est pour que chacun vit dans son époque avec ses difficultés et il faut s'adapter. Alors, au niveau de la distribution, l'époque des cassettes, des vinyles, des CD, c'est totalement révolu aujourd'hui. On ne vend plus de CD, surtout au Cameroun, ailleurs un peu plus, on continue d'en vendre. Les gens sont en train de ressusciter les vinyles, un peu partout en France, aux États-Unis et tout. Mais ici au Cameroun, c'est la mort de la musique commerciale. Alors, pour la commercialisation de ce dernier album, vous avez initié quelque chose, c'est la distribution de ces albums-là directement chez un certain nombre de personnalités. C'est quoi ce truc? Tout à fait, c'est avant toute chose, sachez que nous sommes des producteurs. Oui. Et Jean Bruno, lorsque tu mets, quand il faut qu'on arrête de rêver, lorsque tu mets l'argent quelque part, tu vas à la limite.
que tu rendes à tes frères, même si tu n'as pas de bénéfices. Tu vois, il faut à la limite que tu récupères ton argent. Et nous avons passé à une stratégie qui marche excellemment bien. C'est-à-dire que avoir des produits par catégorie. C'est-à-dire que la couche populaire n'a pas été ignorée. L'album. C'est ce que je m'apprêtais à vous demander. Non. Si vous avez réservé votre stratégie uniquement pour les grands. Non, du tout. Oui. C'est juste que, bon, il y a les gens qui aiment animer la galerie, il y a les gens qui aiment faire bruyant, on n'aime jamais faire pertinent. Quoi, tu vois. Ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Oui. C'est le monde d'aujourd'hui. Oui. Mais nous n'avons pas oublié la catégorie populaire. Oui. L'album, il est en téléchargement. Déjà, l'album est sorti sur une plateforme camerounaise en exclusivité, écoute gratuite. Ensuite, il est en téléchargement sur toutes les plateformes à un prix abordable et raisonnable pour tout le monde. Après, aujourd'hui, lorsque tu vas dans un hôtel, toutes les chambres n'ont pas le même prix. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Lorsque tu vas dans une boîte de nouilles, dans une boutique, le même produit, il n'a pas le même prix, il est catégorisé. Tu comprends ce que je dis? Oui. Ça, c'est commercial, nous sommes des producteurs. Il faut qu'on sache aussi comment faire rentrer de l'argent à tous les niveaux, tu vois. Maintenant, on a pensé à une catégorie VIP à laquelle étaient destinées les clés USB personnalisées. C'est-à-dire que vous, Jean-Bruno, si vous nous appelez aujourd'hui, vous nous dites vous avez besoin d'une clé USB de votre album. De notre album. Nous la fabriquons avec votre nom, avec vos initiales et tout le reste. On vient vous l'offrir. C'est une stratégie commerciale. Ça coûte ce que ça coûte, mais tout le monde est libre d'appeler pour dire que mon produit, je le veux dans cette catégorie-ci. Ouais. Ok. Ou alors, à la limite, si vous n'avez pas les moyens, il y a la catégorie populaire. C'est carrément une nouvelle façon de consommer la musique que vous nous inaugurez, ou alors de distribuer la musique. Là. Papa, c'est une façon de gagner l'argent. C'est dur. Oui. Le pays est dur. Oui. Il faut trouver tous les moyens pour prendre l'argent où il est. Il faut s'adapter. C'est vrai que Ismaléa a connu quand même deux périodes. Il y a eu une période où les CD se vendaient très bien. Vous avez eu connu la période où les CD ont commencé à plonger avec la piraterie. Et chaque fois, vous avez imaginé quelque chose. Je me souviens, j'ai acheté un CD de Ismaléa à 1000 francs. Tout à fait. Ça, c'était une époque où les ventes avaient déjà baissé. Vous avez trouvé le moyen, parce que l'explication que les gens donnaient, c'était de dire que le CD original, il coûte cher. Vous l'avez cassé à 1000 francs. Tout à fait. Oui. Je crois que c'est avec Guy Ondombo, oui. Parce qu'il faut toujours donner à César ce qu'il y a à César. C'était l'idée de Guy Ondombo d'aller voir les gars qui vendent, entre guillemets, les CD contrefaits. Oui. Il leur dit que, écoutez, nous on a un album, on se met ensemble, on fait l'album et on le vend à vos prix. Mais à la condition, c'est que qu'on se débarrasse de tout ce qui est contrefait et qu'on ne vende que les CD originaux. Et que chacun trouve sa marche. Et c'est une stratégie qui a très très bien marché à l'époque. Mais aujourd'hui, le CD, même dans les voitures, les gens n'écoutent plus le CD. Il y a plus de clés USB que de CD. Oui. Comment tu fais? Tu meurs ou tu t'adaptes? Chaque fois, il faut s'adapter. Alors, vous, c'est intéressant d'échanger avec vous, Ismaléa, parce qu'en même temps, vous êtes artiste et producteur également. Ça veut dire que vous êtes des deux côtés de la situation. C'est quoi le modèle économique de la musique aujourd'hui? Comment gagne-t-on de l'argent en faisant de la musique? Ah. À l'époque, on vendait les CD, on vendait les cassettes. Aujourd'hui, comment un artiste gagne de l'argent? Vous, le producteur, vous, l'artiste. Bon, maintenant, nous sommes à l'ère du streaming. Oui. Et c'est plus ouvert. C'est ouvert au monde entier. Donc, tu peux facilement mettre tes chansons dans les plateformes connues comme Apple, Deezer, iTunes, Amazon, ainsi de suite, et la vendre dans le monde entier. Ici, comme on a dit, le CD est mort. Paix à son âme. Ça a fait son boulot. Ici, c'est trouver des stratégies, s'adapter au contexte, qui est celle qu'on fait là, fabriquer des clés USB et les vendre. Arriver à les consommateurs. Oui, les vendre. C'est-à-dire valoriser le produit. Parce que les clés coûtent un peu cher. Oui. Donc ça veut dire que il faut faire un travail marketing dessus. Il faut que la personne qui reçoit ces clés se sent privilégiée. Il ne faut pas qu'elle soit comme
toutes les clés, sinon mieux vaut acheter une petite clé et tu copies. Donc il y a un boulot de marketing, il y a un boulot de stratégie, il y a un boulot de packaging. Et nous sommes encore en terrain, terrain vierge. Oui. Donc nous sommes encore en train de débroussailler, de découvrir des choses au fur et à mesure. Vous êtes un peu le pionnier en la matière. Hein. Bientôt, tous les artistes c'est notre souhait. Tomber sur les clés USB. Ouais. C'est notre souhait. Ouais. Vous êtes le pionnier en la matière. Roger Aix parlait, par exemple, des sites de téléchargement, de streaming, sauf que là-bas, vous ne contrôlez rien. Bon, puisqu'on est en train de discuter, je vais t'avouer quelque chose. Oui. Nous avons un papa, un parrain qui a certains moyens. Oui. Et il nous appelait un soir. Et je crois qu'on était avec notre frère Darish, qui gardait une consultation, qui nous dit bonjour. Oui. On nous appelait un soir, il nous a fait asseoir. Il nous a dit, écoutez, moi, il n'y a personne au monde qui ne veut gagner de l'argent. Oui. Tout le monde au monde veut gagner de l'argent. Si tu dis à quelqu'un que si tu mets 5 francs là, tu vas gagner 200 là, tout le monde viendra. Alors la question que je vous pose mes enfants, c'est si je veux mettre l'argent dans vous là, comment je fais au Cameroun pour gagner, pour récupérer au moins mon argent. Oui. Je t'avoue que nous étions là, nous sommes d'abord rangés. On n'a pas dormi. Parce qu'on n'a pas dormi, c'est une vraie question, oui, tu vois. Oui. Tu vas pas prendre le risque que Jean-Bruno vient me voir, il veut mettre 300 millions sur un projet. Oui. Je prends quand même sans savoir comment on va faire pour la rentabilité. Oui. Je t'avoue qu'au Cameroun, c'est assez compliqué. C'est pas impossible. Oui. Mmh. Il y a certainement des stratégies, c'est pas impossible. Mmh. Mais je t'avoue que c'est assez. C'est une vraie réflexion qu'il faut mener. Il y a les spectacles. Oui, oui. Il y a les spectacles qui donnent de l'argent. Mais même pour les spectacles dans ce pays, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Les artistes se plaignent, les producteurs, les artistes se plaignent du manque de ça. Il y a les spectacles, il y a le merchandising. Oui. C'est des pistes à explorer, mais il faut approfondir un peu tout ça. Mmh. Il faut approfondir tout ça pour en faire un modèle économique camerounais. Parce que ce que les gens font très souvent, c'est qu'ils veulent adapter les modèles d'ailleurs ici. Un modèle aussi fonction de la mentalité, l'état d'esprit des consommateurs. Tu vois, l'état d'esprit du Cameroun n'est pas exactement l'état d'esprit du Nigérien. Non, c'est pas pareil. Donc il y a un vrai travail à faire dessus et les gars sont en train de travailler dessus pour qu'on ait notre modèle économique à nous. Pour qu'on puisse dire à un gars, écoute, viens mettre 500 millions là. Au bout de 5 ans, de 6 ans, voilà ce que ça va rapporter. Ouais. Mais il faut que ce soit très pertinent et pointu. Ouais. Si on arrive à ça, si on arrive à décrire ça, à avoir des certitudes sur les sources de revenus, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Les gars, ils travaillent, les Darish et compagnie sont en train de travailler. Alors, comment ils font à côté? Parce que c'est un problème au Cameroun, mais à côté, les artistes continuent de rouler carrosse. Hein, au Nigeria, les artistes, c'est phénoménal. Quand vous regardez les Jimmy Alade, tous ces gens-là. Même au Congo. Même au Congo. Même au Congo, quand vous voyez Fally? Jeune frère. Non, Fally, même c'est trop loin. Oui. Lorsque vous voyez notre jeune frère Inosbi, avec qui vous avez fait. Exactement, voilà. Oui. Jean-Bruno, je le dis aujourd'hui, que ça plaise ou pas, je vais le dire. Oui. C'est une question de mentalité. Inno, c'est notre fils, donc je sais, c'est une question de mentalité. Lorsque tu entres dans une boîte camerounaise et que toute la soirée, tu as 90% de musique étrangère. J'ai arrêté d'aller en boîte. Tu crois que c'est la faute de qui? Est-ce qu'on nous saoule avec de la musique? Tu crois que c'est parce que les artistes camerounais ne chantent pas bien ou quoi que ce soit? Pour écouter de la musique camerounaise aujourd'hui en boîte, il faut aller au dimanche des vétérans. Tu comprends ce que je dis? Donc c'est une question de mentalité. Ça, la mentalité veut ailleurs que, ok, Jean-Bruno est là, il a sorti un album, j'aime ce que Jean-Bruno fait, et mon devoir, c'est de lui rendre la joie qu'il me donne. C'est ça la mentalité ailleurs. C'est-à-dire que lorsque j'ai en face de moi un CD original, un CD piraté, j'ai pas besoin qu'on me fouette, je prends le CD original. Parce que je sais que l'argent entrera directement dans les poches de Jean-Bruno, et que. Parce que Inno, ce que vous voyez, c'est notre mec. Si vous n'imaginez pas les soutiens qu'il y a derrière, les gens qui croient en lui, tu vois. Ici, nous sommes dans un environnement où ceux qui ont les moyens ne vont jamais te donner le moyen pour que tu deviennes définitivement indépendant, tu vois. C'est toujours des petites miettes pour que tu reviennes demain. C'est ça notre culture. Tu comprends? Alors, Daniel Etunga Mangere a écrit un livre dans lequel il dit qu'il faut un ajustement culturel pour les pays africains. Alors, j'essaye de comprendre, Roger, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on a une très grande. On est trop extraverti, nous, dans le groupe. Il n'y a pas le mec.
On est ouvert à tous les vents. Il n'y a pas le mec, tu sais que je vais les mettre à dos. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai passé l'âge, je suis plus sur la forme qu'au début. Il y a les mecs qui gèrent les budgets dans les sociétés. Mm-hmm. Il n'y a pas le mec qui va dire que hey, arrêtez-moi vos gars étrangers là. Il faut que je mette Stanley Eno. Il faut que Stanley Eno devienne. C'est une décision, non? Oui. Il faut que Stanley Eno devienne millionnaire. Il faut que Ming. Ailleurs, on appelle ça la préférence nationale. Il n'y a pas ce mec, il n'y a pas ce Camerounais là. Il va toujours dire pourquoi. Pourquoi je mets Malox en haut? Pourquoi je mets Salatiel en haut? Si je le mets en haut là, demain il va me draguer les filles là, toutes mes petites que j'ai là. Non. C'est ça, c'est tout bête. Mais c'est ça la mentalité. C'est une décision de décider que Jean-Bruno va te mettre, que ce projet-ci, on va mettre les moyens qu'il faut pour que tu sois au niveau des autres. C'est l'argent qui leur manque, c'est pas l'argent qui leur manque, c'est la volonté. C'est une question de volonté. Donc ne faites pas de comparaison. L'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit n'est pas le même. Tu vois, regarde comment on traite nos icônes ici. Laissons la musique. Oui. Regarde même au niveau du football. Oui. Regarde au niveau du football. Regarde ce que deviennent les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde français en 98. Regarde même le. On sent qu'il y a du placement. Oui. Que bon, non, celui-ci, il faut qu'on le mette là, consultant ici. Il y a une volonté à célébrer ceux qui ont au CEO le Japon. Oui. Mais regarde ce qu'il y a ici. À la limite, c'est pas si on se moque de toi et qu'on ne souhaite pas. Je lis des trucs sur quand tu vas sur les pages Facebook. Mm-hmm. Bah, en tout cas, il va lire. Oui. Après, bientôt à l'hôpital, il va venir demander. Écoutez la mentalité. Ça dit que les gens veulent que les gens souffrent. Oui. Les gens souhaitent que tu échoues. On veut te voir échouer pour qu'on se moque de toi. C'est ça notre mentalité. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est aussi trop facile, Roger, d'attaquer le pauvre Camerounais. Mais pas qu'est-ce le pauvre, que vous faites? Je suis aussi Camerounais, oui. C'est nous. Oui, je suis bien d'accord. Oui, on adore vous, les artistes, mais à un moment donné, également, il y a une dimension politique dans tout ça. Tout cela est pensé au niveau politique. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi que c'est comme si il y a une volonté pour que les choses restent dans l'état. Ça, c'est une piste. Oui. Mais l'autre inquiétude que j'ai aussi, c'est le rapport qu'on, par exemple au niveau de la musique, qu'ont nos représentants lorsqu'ils sont en face du politique. Oui. Parce que quoi qu'on dise, je ne veux pas croire que tous nos dirigeants soient des gens médiocres. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûr que la majorité, c'est des personnes extrêmement brillantes. Tu vois? Je dissocie la manière de gérer quelque chose à ce qu'on est. Exactement. Oui. Et gérer de manière médiocre peut être le choix du brillant. Oui. Pour des buts bien précis. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ce que je dis, c'est oui, vas-y. L'interface que nous avons. Lorsque nous avons des délégations qui vont, par exemple, rencontrer le Premier ministre pour débattre des problèmes des musiciens. Nos grands frères aussi, à un certain moment. On n'est pas toujours bien représenté, excusez-moi. Non, je te le conseille. Parce que des fois, quand j'écoute des voices, parce qu'il y a des groupes d'artistes et tout, oui. Quand tu écoutes des voices... Ah, ça ne vole pas très haut. Ça ne vole même pas. Quand tu dis que ça ne vole pas très haut, c'est que ça a quand même décollé, mais ça ne vole même pas. Ça ne vole pas. Oui. Et lorsque tu en fasses un mec qui doit prendre une décision en ta faveur, tu sais, c'est l'équilibre des forces, c'est l'équilibre de terreur. Les politiques aiment traiter avec ce genre de personnes. Hein. Oui, mais parce que ça les arrange. Oui, ça les arrange, tu vois. Les choses restent à l'état. Oui. Et voilà. C'est eux qui en profitent. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ici, on sait que, gars, les artistes ne vont jamais se mettre ensemble. Il y a des mecs ici dehors, vous asseyez ensemble, vous décidez de certaines choses. Pour 30 000, ils vous trahissent. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Pour 30 000 francs, le mec vous trahit. Oui. Et les politiques, ça, ah, ça c'est fort, ça. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tant que nous, on n'a pas réglé ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, les artistes ont un gros problème de représentation. C'est ça que mes grands frères vont me détester. Oui. Mais nous, on les laisse devant. Ben, on observe. Hein, nous aussi, on là, observe que ceux qui parlent souvent. Oui, beaucoup là. Non. Ceux qui parlent là, ça n'impose pas le respect. Parfois d'une vulgarité extraordinaire. Oui, et ça n'impose pas le respect. Il faut que l'interlocuteur en face, quand il t'écoute, qu'il sente que tu es pointu, que tu as le niveau, que tu es cohérent, que tu es pertinent, que tu es construit et que tu sais où tu vas. À ce moment-là, il commence à faire attention à toi. Oui. Parce que c'est que, écoute, le mec, si je ne fais pas les choses bien avec lui, il peut représenter un danger. Pour moi, c'est l'équilibre des forces, l'équilibre des terrains. C'est comme ça, tu comprends? Mais s'il semble que, gars, le mec, il n'est pas dangereux de toute façon. Il fait son travail, on filme, on montre à la télé, après, bon, on continue. Et puis la vie continue. Exactement. Alors, selon mes informations, le ministre de la Culture vous aurait reçu, depuis que cet album est sorti, il a reçu X Malaya pour cet album. Info ou un fox, c'est un fake ou bien? Non, c'est une information. Ouais. Ça s'est passé. Apparemment, il a aimé votre album. Ouais.
Ça nous a quelque... Il a eu un autre projet, parce que c'est un projet de Mbappé. Ça nous a quelque peu surpris parce qu'on allait remettre la clé. Pas remettre, c'est-à-dire que la clé, elle, on la vend. Et on nous a appelé pour dire que le ministre souhaiterait vous recevoir pour être en possession de sa clé. La sienne, oui. Et nous sommes allés comme nous allions partout ailleurs, c'est avec toute l'équipe. On arrive, on nous fait attendre. On voit le ministre qui sort, il entre, on se dit, hey, le mec, si c'est qu'il avait rendez-vous avec nous aujourd'hui. On s'est dit, ok, les gars, de toute façon, nous on est là pour pointer notre argent. Lui, on veut savoir qu'il achète d'autres clés, nous on continue notre route. On reste assis là. Et à un moment donné, une dame vient nous dire, ils sont allés à cerveau. Mais sauf qu'on a remarqué que le ministre n'était pas là, parce que quand il est sorti, il n'était pas dans son bureau. Oui. On s'est dit, ok, d'accord, peut-être qu'il va aller prendre sa clé, il est trop occupé. Absolument. On arrive, on entre dans une grande salle de conférence. Waouh! On s'est dit, Darish me dit, ah, ça le ministre aussi. Comment il a du boulot? Bien là qu'ils nous disent qu'il a du boulot et nous on va rentrer. Et tout le reste, comment il nous fait, il est dans ses conférences, il nous fait venir, là on n'a pas notre place ici. On nous dit, vous allez asseyez-vous. Et première curiosité, on voit le truc X Malaya. On s'assoit jusque là, tout va bien. Et Darish appuie encore. Ah ça veut dire quoi ça? Vraiment. Ça c'était, on n'était pas prévu dans la conférence. Quand on nous met là maintenant, on avait des choses à faire, gars. On va faire quoi pour dire que nous restons là? Après on le dit, on annonce le ministre des Arts et de la Culture. Tout le monde se lève, le mec il prend sa place et le porte-parole prend la parole. Bonjour Excellence, bienvenue à la cérémonie de réception de Ex-Malia. Waouh, cérémonie de réception. Ah oui, une belle surprise. Ouais, une belle surprise. On a dit, hey, donc tout ça là, c'est pour nous. Et ça nous a touchés. Parce que nous avons bien vu que le ministre a compris la nécessité de célébrer notre patrimoine culturel. Ce n'était pas pour Ex-Malia. C'était ce projet-là, de célébrer ces icônes-là, de dire que ces icônes-là ne doivent pas être dans l'oubli. On nous a reçus, c'était une belle soirée avec le média. Et... Bref. On va prendre une petite pause dans quelques instants, juste le temps de vous demander quelque chose. On parlait de l'économie aujourd'hui, du modèle économique de la musique aujourd'hui. Alors Ice, vous avez reçu combien lors du dernier partition? Ce n'est pas votre faute. 50 000. 50 000. Ouais. Roger, 50 000. Moi, je le suis. Toi, je suis 50 000. Oui, oui. Pour toi, c'était combien? Je crois que c'était 35 000. 35 000. En fait, on m'a dit que Roger, il y a tes 35 000. Il faut que tu viennes récupérer ça. Que c'est de l'argent. Laisse pas ça partir comme ça. C'est triste, hein. Ouais. C'est méga. Ah ouais, quand même, c'est 35 000 balles. Oui, c'est pour, ouais. pour tout le travail que tu fais. Oui. C'est méga triste. Et on n'a pas encore trouvé le mec qui va réaliser que le droit d'auteur, c'est pas une œuvre sociale. Non. C'est pas la CNCS. C'est perçu un peu comme du social. Non. C'est parce qu'au Cameroun, on fait toutes les choses à l'envers. Non, c'est pas social. Ouais. C'est j'ai travaillé. C'est un droit. C'est un droit. Et tu le mérites parce que tu as travaillé. Tu vois un mec qui n'a pas fait d'album depuis 30 ans. Un gars qui n'aime pas monter sur scène depuis 25 ans. Et à la répartition, lui, il a 150 000. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est choquant, c'est aberrant. Donc il y en a qui travaillent pour que d'autres mangent. Tu vois? C'est pas social. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, se décide et dise sur des bases bien déterminées, dise que tel, parce qu'il a fait ça, mérite ça. Oui. Qu'il y ait plus grande lisibilité. Mais oui, il ne s'agit plus de faire des repartitions parce que la rentrée arrive, parce que les tels sont malades. Ce n'est pas ça le droit d'auteur. Ce n'est pas ça. N'empêche qu'on peut créer une autre branche sociale pour ces artistes qui ont représenté le Cameroun quand ils sont en difficulté. Mais ce serait bien qu'on formalise les choses pour que, tu sais, comme un élève, quand tu sais que tu as travaillé dur, et qu'à la fin, toute la classe a 10. Alors que d'autres n'ont pas travaillé, d'autres ont travaillé. Ouais. Ça ne t'encourage pas à faire mieux. À faire mieux, juste pour le symbole. Et comme je dis, n'empêche pas, on peut créer une branche sociale pour ceux qui sont en difficulté et pour les aider aussi.
Je vous propose, messieurs, de prendre une petite pause et juste derrière, nous allons regarder quelqu'un. Il s'appelle Harold Kutch. Il est en France et il a adoré votre album Back to the Roots. Harold, nous adorons Harold. Oui, oui. Et en même temps, on l'a pas encore rencontré. Oui. Moi, je suis sur Facebook. C'est un homme de culture. Voilà. Voilà, il adore la musique. C'est un mélomane averti et passionné également d'histoire. Et il a adoré votre album Back to the Roots et il a bien voulu vous poser une question que nous allons regarder juste après cette pause et puis on vous permettra d'y répondre. Merci. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing. Hotel Loquet d'Orsay, better than what you imagine. Salut à tous les fidèles téléspectateurs de Naya TV. Salut Roger. Le groupe Kassaf est l'un des groupes les plus anciens au monde en termes de longévité. Les Kassaf, c'est plus de 40 ans de carrière. Malgré les décès de quelques membres, le groupe existe toujours. Il faut relever que ce groupe s'est fortement inspiré du Makossa camerounais pour créer son zouk. Le groupe ivoirien, les Magic System, existe depuis bientôt près de 25 ans. Et ce, dans une cohésion parfaite. Aucun membre du groupe n'est parti. Le groupe sénégalais Touré Kounda existe depuis bientôt plus de 40 ans. Le groupe Touareg Tina Hiwen existe depuis plus de 30 ans. Les exemples sont légion en Afrique et dans le monde. Tandis qu'au Cameroun, les groupes ont des durées de vie éphémères. On a vu naître et se disloquer plusieurs groupes. Les Negro Steel, Los Calvinos, les Black Steel, les Golden Sun, les Runta, les Têtes Brûlées, les Vétérans, les Mollets d'Acier, les Macas et j'en passe. Est-ce une malédiction camerounaise? Comment expliquer cette instabilité chronique au sein des groupes camerounais? Pour le cas de X-Maleya, je vous vois venir, vous allez nous dire que le groupe existait toujours. Mais nous sommes tous d'accord que le groupe X-Maleya n'est plus le même depuis le départ d'Auguste. Et votre public vous le faire ressentir. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Autant le dire avec X-Maleya, nos invités, c'est le dernier groupe, l'un des derniers groupes encore en activité au Cameroun, quoique. Alors, Roger, oui. Cette question de Harold Kesh qui vous a envoyé à X-Maleya aujourd'hui sur la question des groupes au Cameroun. C'est vrai que X-Maleya reste, mais vous n'êtes plus que deux. Oui, je dis bonjour à Harold. Oui. Et nous le suivons de très près. C'est un homme de culture et nous apprécions beaucoup ce qu'il fait. Mmh. Et quand il a posé sa question, il a dit Roger, je sais déjà ce que tu as dit. Tu as dit que le groupe continue. Mmh. Harold, c'est pas une malédiction. Parce que tu sembles dire que qu'est-ce qui se passe avec les groupes camerounais. C'est pas une malédiction. Mmh. Tu as évoqué. Quelques groupes. Oui, Harold, il y a des exceptions. Mm-hmm. Tu as cité Magic. Magic, ils sont dans leur réalité. Oui. On ne sait pas ce qui s'y passe. On ne sait pas comment c'est structuré. Harold, tu as cité Kassaf. Mais Harold, toi qui es un homme de culture, tu sais que Decimus, qui est le fondateur de Kassaf, à un moment, il était parti. Tu as omis de dire ça. La vie d'un groupe, ce n'est pas facile. Oui. Même le groupe le plus célèbre du monde n'a pas fait 10 ans, les Beatles. Les Beatles. Ok. Harold, tu as toutes ces données. Donc, du coup, tu es mon frère, je ne suis pas très d'accord avec la sévérité avec laquelle tu as jugé tout ce qui est comme groupe camerounais en disant que ce serait une malédiction. Non, du tout. Oui. Du tout. C'est pas une malédiction. C'est juste que c'est des personnes qui se mettent ensemble. Et lorsque vous êtes dans un groupe, c'est des esprits différents. C'est des familles même, c'est ça va plus, c'est pas seulement, c'est au-delà
de simplement, quand ça grandit, ça, c'est d'autres entités qui... C'est complexe, c'est complexe. Lorsque vous voyez même un groupe de frères, de jumeaux se séparer, ça vous dit que... On l'a vu au Nigeria. Oui, c'est ça. Et je demandais à Harold de ne pas toujours voir le verre à moitié plein. Non, je trouve que c'est trop sévère. Et tous les groupes ont une histoire et tous les groupes dans le monde ont connu des difficultés. Même ceux qui l'ont cité, il y a des membres qui sont partis. Je vous dis que Décimus, à un moment donné, il est parti, qui est un cofondateur de CASAF, à un moment il est parti. Après, des années plus tard, il est revenu. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire des groupes. Il ne faudrait pas que ce soit un drame. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le membre d'un groupe... Ça aurait pu être moi qui serait parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Ice, il arrête de faire ce qu'il aime. Il faut qu'il arrête d'aimer le projet. Il faut qu'il... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que malgré tout, Harold, il faut continuer. Harold, tu as parlé du Sénégal, tu n'as pas parlé de Daradi. Daradi, ils étaient trois. Tu n'as pas parlé de ça, Harold. C'est ça que je dis, arrêtons de voir le voir. Tu vois, Daradi, ils étaient trois. Aujourd'hui, ils sont deux. Les gars continuent à me faire des Olympiades le lundi et le mardi. Personne n'est au courant. La vie ne peut pas s'arrêter parce qu'on va partir. Moi, en tout cas, je dis, je le conseille sur mon jeune frère. Le jour où, si je décide un jour de partir, si tu aimes le projet, il faut que tu continues. Ce n'est pas un drame. La vie doit continuer. Pourquoi on doit s'arrêter parce qu'on ne va pas? Oui, c'est triste. Oui, il y a de l'émotion. Oui, on comprend tout ça. Mais la vie doit continuer. Ouais. Et il dit autre chose. Il dit, votre public, mais je suis fier de constater que ça fait mal aux gens. Ça prouve que c'est un groupe qui a impacté les gens. C'est pas, oui, c'est ce pas groupe du a jour, une histoire. Hein. X-Malé a une histoire. C'est pas du jour au lendemain que cette tristesse va s'estomper comme ça. Oui. C'est dur, c'est un moment difficile. Oui. Il faut l'assumer, il faut continuer à aller de l'avant. Est-ce que l'album Back to the Roots est une manière, en quelque sorte, de venir acter, justement, cette rupture ou alors l'évolution de X-Malaya pour dire désormais il faudrait s'y habituer, ce sera Roger Ice? Nous ne pensons pas comme ça. Non. Nous, quand je me lève le matin, quand je fais ma petite prière, quand je prends mon petit déjeuner, quand je suis pas à la répétition, je vais dans mon studio. La musique m'a tout donné. C'est la musique que j'aime. Oui. J'aime faire la musique. J'aime appeler Ice, lui dire Ice, écoute un peu l'inspiration que j'ai eu la nuit. Ice aime m'appeler, me dit écoute la guitare que je chante. C'est notre plaisir. Nous quand on fait un album, on ne pense pas, on va aux gens, on va dire, on va prouver aux gens que malgré. Non. Nous aimons faire ce que nous aimons. Et jusqu'à ce que nous allons quatre pieds sous terre, tant que Dieu nous donne la santé, nous allons continuer à le faire. Nous avons choisi X-Malaya. Nous continuerons d'aimer X-Malaya contre vents et marées. La vie doit continuer, la vie ne s'arrête pas. La vie, c'est devant mon frère. Ouais. Et personne aujourd'hui ne sait de quoi est fait demain. Ouais. Personne. Alors, donc, Roger, vous êtes décidément passé à autre chose, mais sans avoir une volonté de démontrer quoi que ce soit. Non, cela. Nous continuons à nous faire plaisir, parce que c'est un plaisir pour nous de chanter, de consommer, de proposer des chansons au public. Ouais. Nous continuons à nous faire plaisir malgré la situation. Vous savez, dans la vie, il faut s'adapter. Ouais. Il faut s'adapter. Ouais. Même quand c'est dur, il faut s'adapter. Ouais. Alors, Ice, X-Malaya, c'est quand même une histoire, une longue histoire. C'est un groupe, je ne sais pas si le mot il vous gêne, mais c'est un boys band qui nous a fait très très plaisir depuis toujours. Hein, voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté avec X-Malaya depuis tout ce temps? Les Camerounais vous ont vu pratiquement grandir. Hein. Roger, il était petit. C'est incroyable, hein, ce groupe. Oui. On s'est vu grandir. Oui. C'est quoi votre plus grande fierté avec X-Malaya? Bon, ma plus grande fierté en ce moment, oui, c'est le fait que chaque fois qu'on s'est donné un objectif, on a réussi à l'atteindre. Oui. Même quand elle paraît impossible à atteindre. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fier sur les efforts qu'on a fournis et aussi la bénédiction que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse à chaque fois traverser une étape et atteindre nos objectifs. Parce que pour moi, c'est ça le succès. Le succès d'un homme, c'est pas... Harry, c'est standardisé. Oui. Le succès d'un homme, c'est quand un homme se fixe des objectifs et il les atteint.
Et pour moi, je crois que jusqu'à maintenant, nous sommes toujours atteints d'atteindre nos objectifs. Et s'il plaît à Dieu, on va l'atteindre encore d'autres objectifs. Voilà. Alors justement, par rapport à Back to the Roots, c'est un succès. Hein, personnellement, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé de Back to the Roots trouvent que l'initiative, elle est très bonne. Est-ce qu'il y aura une suite avec Back to the Roots? Il y a beaucoup de demandes pour une suite parce que on a tellement d'icônes. Et beaucoup de gens aimeraient entendre leur artiste qui les a bercés dans leur enfance. Et beaucoup de papas nous appellent pour que hey, n'oublie pas aussi tel, n'oublie pas. Donc, ça va être chaud pour vous. Hein. Ça sera très chaud, même si on le fait. Si Dieu nous donne la vie, on souhaiterait le faire. Parce que ça a été un très grand plaisir de faire cet album. Et on croit que ce sera toujours un grand plaisir de le découvrir et de savourer ses sons. Oui. Roger, tu as la même question? Oui, comme Aziz dit, c'est de l'inspiration. Ça ne doit pas être des choses calculées. Oui. Ça ne doit pas être des choses calculées, c'est de l'inspiration. Si Dieu nous prête la santé, nous prête l'inspiration, je crois qu'il est important que, même si ce n'est pas nous directement, même directement, on pourrait suggérer ça à des collègues encore plus jeunes et essayer ensemble de continuer à faire vivre ces icônes et continuer à faire vivre notre musique. Ouais. Alors parlons justement de jeunes. Vous faites partie désormais, le temps passe, vous êtes désormais parmi les aînés. C'est vrai que vous avez encore des aînés encore plus âgés que vous, mais vous êtes déjà quand même des aînés. Vous avez une certaine expérience dans la musique à partager. Alors, que répondrez-vous à un jeune qui vient vous voir, Roger, Xmalea, j'aimerais me lancer dans la musique. Vous lui dites, mon petit, vas-y, ou alors vous dites, hey, surtout pas, fais autre chose. Ça, c'est une très bonne question. Franchement. Puisque nous rencontrons ça tous les jours. Voilà. Et avec Ruben Binam, à l'Isée Équateur, nous sommes en train de créer tout un salle culturel avec l'une des plus grandes écoles de musique d'Afrique centrale. Ouais. Qui sera opérationnel dans le mois prochain. Ah, j'ai rendu visite à Ruben il n'y a pas très longtemps. Il y a du matériel qui est arrivé. Oui. Alors, il est en cassé la douane. On espère qu'il sortira très bientôt. Oui. Et il y a ces jeunes qui arrivent. Moi, aujourd'hui, si un jeune vient me voir, avec connaissant le monde d'aujourd'hui, je ne veux pas d'abord former le musicien. Je veux d'abord former l'homme. Oui. C'est très important. Parce que, vous savez, jouer d'un instrument, chanter, je crois qu'avec de l'exercice, c'est des objectifs qu'on peut facilement atteindre. Mais un homme pour une société, ça c'est un autre travail. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Parce que lorsqu'on a l'homme, le bon homme dans le corps, après l'inspiration, le discours, parce que tout ça c'est ensemble. Il faut pas confondre un artiste à une vedette à une star. C'est des choses. Moi, si un jeune vient me voir, je formerai l'artiste. Ouais. Parce que derrière chaque grand artiste se cache une grande personnalité, quelqu'un avec des valeurs. C'est sur ça que je mettrai d'abord l'accent. Parce que le reste, là, ça c'est facile à obtenir. Mais l'homme derrière, c'est le plus difficile. Donc si mon fils vient me voir aujourd'hui et me dit, papa, je vais faire la musique comme toi, je ne dirais pas non. Parce que si on me dit que ton fils va devenir toi demain, je signe tout de suite. Mm-hmm. Ça, avec beaucoup d'humilité, je le dis. Si on me dit, l'avenir de ton fils est devenir comme toi, avoir ton parcours, je dis à Seigneur, merci. Je signe ça tout de suite, je lui donne. S'il vient me voir, je vais d'abord former l'homme. Lorsqu'il est en présence des gens, qu'est-ce qu'il renvoie? Quel comportement il renvoie? Quel discours il renvoie? Je crois que c'est... Si on veut vite former les stars, savoir chanter, et faire le mal à la télé, mais après le discours derrière, c'est lequel? Le message derrière, que tu envoies lorsque tu n'es pas sur scène, parce que après, absolument, on te prend comme modèle, lorsque tu es dans un lieu public, lorsque tu apparais publiquement, lorsque tu veux parler publiquement, qu'est-ce que tu dis? Parce que notre société, notre société a besoin de cette formation aujourd'hui, parce qu'on a un problème au niveau
de l'éducation. Vous savez, c'est très important. Je crois qu'un artiste est un moteur pour l'éducation, est un pionnier pour l'éducation, parce que c'est quelqu'un qui passe des messages. Donc si un jeune vient me voir, je lui dis, c'est un beau métier, en tant qu'homme, forme-toi d'abord. Oui. Alors, malgré l'environnement économique difficile pour les artistes. Lorsque tu as formé, lorsque le gars est bien formé, il trouvera la solution. Oui. Comme Back to the Roots, c'est un marketing qu'on appelle, en marketing on appelle ça l'écrémage. Je ne connais pas très bien les termes du marketing et tout ça, mais c'est une stratégie qui vise à récupérer très vite en maximisant les prix. C'est pour ça que vous verrez dans cette stratégie-là, vous avez vu, on s'habillait en costard, on allait voir les ministres, on allait voir les DG. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie. Du marketing. Et je crois que nos collègues, d'autres devraient s'en inspirer. Devraient s'en inspirer parce que c'est une stratégie commerciale qui marche de ouf, je vous le confie aujourd'hui. C'est que vous aimez souvent quand les musiciens font pitié, quoi. Vous aimez ces discours, on vous connaît. Le misérabilisme, vous aimez quand on fait pitié. Oui, oui. Quand on dit que c'est dur, c'est chaud. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que sur Back to the Roots, cette stratégie-là marche bien. Oui. Elle marche du tonnerre. En tout cas, on peut plus elle devait inspirer oui. d'autres. En tout cas, on ne peut plus vendre la musique aujourd'hui comme on le faisait autrefois. Hein. Non, il faut trouver d'autres stratégies. Il y a 10 000 stratégies à trouver. Oui. Oui. Il faut s'entourer des... Il y a des gens dont c'est le métier. Mmh. Il y a des stratèges, il y a des gens qui sont allés à l'école pour la stratégie. Oui. Il faut se rapprocher de ces personnes-là et construire avec elles une stratégie efficace. Donc il y a moyen. Oui. Il y a toujours moyen. Tout a construit chez nous, vous savez. Oui. Nous sommes un pays en chantier, il n'y a que du travail. Oui. Alors, et justement, parlant du modèle économique, tout à l'heure, on parlait de l'environnement difficile, les droits d'auteur qui sont payés, mais ce n'est pas vraiment ça. La musique qui ne se vend plus véritablement. Alors, c'est quoi la solution de X-Malaya Ice? Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation, pour changer les choses? Comme Roger l'a dit, non seulement nous sommes en partenariat pour une école de musique avec Alizé Équateur, nous sommes aussi en train de construire une salle de spectacle qui va contenir 400 personnes à peu près. Ah oui, et ce sera Yaoundé? Ce sera Yaoundé à Fouda, juste en face de Mansell Hotel. Et je crois que c'est ce de là qui va venir notre salut, si tu permets que je dise ainsi. Parce qu'il faut un système économique pour l'artiste. Un footballeur, il joue dans les stades. Les politiciens font les lois dans l'Assemblée. Il faut que les artistes aient des endroits où ils peuvent exprimer, vendre leurs talents et gagner beaucoup d'argent dessus. Imaginons pour un moment que nous avons 100 salles de spectacle au Cameroun et qu'un artiste fait une tournée de ces 100 salles de spectacle en un an et qu'il gagne environ 100 000 de bénéfices, je dis dans la moyenne. Oui. En un an, ça fait 10 millions. 10 millions, il peut se payer des clips de bonne qualité. Il peut engager une maquilleuse, il peut engager un styliste. Ça fait tourner l'argent dans le processus. Et pas seulement les artistes qui chantent. On aura plus d'ingénieurs de son, les ingénieurs des lumières. On a besoin des espaces, pas seulement pour les artistes qui chantent. Il y a d'autres formes d'art, pour les gens des théâtres, pour les gens qui diffusent les films, pour les gens qui dansent. Il y a aussi les gens qui ont besoin d'exprimer de la musique expérimentale, des sous-catégories. Oui. Par exemple, les bikutsi urbains que nous connaissons. Il y a des gens qui aimeraient bien faire du bikutsi jazz, du bikutsi folk. Il y a des gens qui sont des instrumentistes. Ils ont besoin des espaces où ils peuvent vendre leurs talents. Et là, ça va créer un système économique. Oui. Et on va arrêter de... Le misérabilisme, quoi. Je peux ajouter un peu d'eau dans ce mot-là. Oui, oui. Et après toutes ces belles initiatives-là, il va falloir qu'à un moment, il y ait aussi l'État fasse son job. Il faut le dire, tu vois. Il y a un moment donné, il faut que l'État fasse aussi son job, tu vois. Ouais. Tu ne peux pas investir tant d'argent dans une salle de spectacle, dans une école de musique, faire venir des instruments, sans que l'État ne te protège un minimum. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, un coup de pouce quand même, au moins même pour le dédouanement. Oui, pour le, à la limite pour le dédouanement. Ok, d'accord, oui, mais même ça. Ok, disons que c'est la loi. Oui. D'accord, nous on va chercher les instruments, on va les dédouaner avec nos moyens.
Mais il faudrait que les artistes qui vont venir jouer là, lorsqu'un artiste joue, que les choses comme le droit d'auteur, c'est des choses qui doivent être effectives. Oui. Vous croyez que les artistes comme Richard Bona, c'est pas un artiste qui sort beaucoup de disques en fait. Mmh. Vous comprenez? Mmh. C'est un artiste de scène, tu mmh. vois. Oui. Et lorsqu'il joue sur scène, il y a tous ces droits-là qui suivent derrière, oui. tu comprends? Oui. Toute notre bonne volonté. Tourner, exactement, toute notre bonne volonté, quel que soit ses initiatives, c'est bien, c'est déjà bien, c'est premier pas. Maman, il faut que l'État fasse aussi son job et que l'État accompagne des initiatives, encourage des initiatives. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En tout cas, votre plan. C'est méga important aussi. Oui, votre stratégie expliquée par Ice tout à l'heure, c'est clair qu'il y a une vision économique dans ce que vous avez envie de faire. Hein. Ouais. Une vision économique ouais. très très claire, très précise. Oui. oui. Et ça revient au au mérite. Oui. Plus tu travailles ton spectacle, plus le public a envie de te voir, plus tu seras payé. Et là, les gens vont se mettre au travail pour attirer. Oui. Et ça va créer plein de métiers. Comme nous n'avons plus de producteurs, oui. ça va créer des tourneurs, ça va créer des gens qui font du booking. C'est toute une chaîne. Oui. Mais la base, c'est d'avoir ces structures. Mm. C'est très important. Il y a quelques années, vous étiez à l'Olympia. Aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez très bien, Valsero, il est au Zénith. Vous lui avez apporté votre soutien. C'était important pour vous, Ismaëlia Roger. C'était important pour toi d'apporter ce soutien à... Nous, parce que c'est, oui. moi, j'ai pas de page Facebook. Évidemment, c'est Ismaëlia. Oui. Moi, mm-hmm. C'est important. Oui. Au-delà de toute considération, mm. C'est un artiste. Oui. Et il va dans une salle mythique. Et quoi qu'on dise, il reste un Camerounais. Oui. Et il va représenter le Cameroun. C'est normal qu'on le soutienne. Et nous sommes d'autant plus fiers que le producteur de ce concert, la Torpedo Bertrand, oui, Torpedo. C'est quelqu'un que nous avons rapatrié en fait. Oui. Parce qu'il était plus vers la K-pop, c'est-à-dire que la pop asiatique, coréenne mmh. et tout ça là. Il était déconnecté avec le Cameroun. Oui. Et lorsqu'on a fait l'Olympia, parce que c'est un ami d'enfance, mmh. on l'appelait, on a dit Bertrand, on veut que tu sois le producteur de notre. C'était, elle a dit non, les Camerounais, moi, machin, je ne veux pas des Camerounais. Donc on lui a dit non, on n'est pas d'appui sur le Cameroun. Oui. Tu sais, c'est bien, tu es Camerounais toi aussi. C'est bien que tu puisses travailler avec les Camerounais. Et après Ismaëlia, j'ai vu qu'il a enchaîné plein de choses avec les Camerounais. Aujourd'hui, c'est lui qui produit encore ce spectacle-là. Donc tout ça, c'est une fierté, c'est la continuité d'un processus que nous avons lancé en 2014. Donc oui. il faut encourager ce processus. Oui. Messieurs, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, j'ai appelé quelqu'un pour qu'il vous passe un petit bonjour. Et il est en ligne, nous allons le prendre immédiatement. Bah écoutez, je vous l'ai dit, c'est Pierre Didier Tchakounté qui a décidé de vous faire un petit coup. On va la voir tout de suite. Voilà. Bonjour ou bonsoir à tous les Camerounais, les Camerounaises. Je voudrais dire un petit mot pour le groupe Ismaëlia. Vous savez, ce dernier temps, ils ont interprété pas mal de chansons des musiciens camerounais. Tels que moi, ils ont interprété Kanga Emile et autres. Et je trouve que c'est un très grand groupe, c'est des jeunes qui vont aller très très loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens leur donner mes remerciements et je leur félicite sur leur travail. C'est des jeunes qui ont la volonté et qui travaillent très bien, parce que vous savez, la musique, c'est un métier très très difficile, très très difficile, je le dis encore à tous les jeunes qui m'écoutent, parce que c'est pas un métier d'aventure. Il y en a qui arrivent dans la musique par aventure, il y en a qui viennent pour se faire voir, mais vraiment faire de la musique comme nous, surtout notre génération, où je peux en citer beaucoup d'entre nous, et Kambi Briand, ceux qui sont partis, les grands Manu Dibango, les grands Francis Bébé, c'est pas si facile que ça, vous savez, avec les Kemayou, avec les Talandré Marie, il faut du travail pour toujours être là, pour soulever du monde après 40, 50 ans de musique, vous savez, c'est pas facile. Et je vous assure que
En ce moment au Cameroun, ce groupe, ils sont en train de montrer qu'ils ont la volonté, de réussir comme leur grand frère. Ils m'ont contacté, leur manager m'avait contacté la fois dernière parce qu'ils avaient l'intention, l'idée de reprendre le manga un peu sophistiqué. Moi j'ai dit, les jeunes, c'est pas un problème pourvu que ça soit très bien fait. Et j'ai été toujours en contact avec eux et ils ont réussi. Et moi je leur félicite, je pense que l'interprétation a été leur façon de voir. De voir au niveau des jeunes, ça a été formidable. Et je dis aussi merci à mon frère, mon jeune frère Tani, le grand journaliste qui nous reçoit aujourd'hui. Pour terminer mon petit discours, tous mes encouragements au groupe les X Maléa, qu'ils aillent de l'avant. Et certains groupes aussi, parce qu'il n'y a pas que eux, hein, il y en a aussi. Et je félicite aussi le petit frère Petit Pays qui fait beaucoup de choses. C'est vrai parce que certaines personnes disent qu'ils sont musiciens, mais ils passent leur temps, je ne sais pas moi, à raconter ou les droits d'auteur, les machins. Mais je pense que ceux-mêmes qui sont des vrais musiciens, qui ont droit à ça, ne disent rien. Ils sont là derrière et nous les regardons. Bon, merci beaucoup. Très bien. Donc là, c'était Pierre Didi Tchakounté, votre papa devenu. Je l'ai rencontré il y a quelques années. C'était dans le Maryland aux États-Unis. Il était invité à un événement. C'est vrai, quand même, on est en train de sortir de cette émission. C'est vrai que Back to the Roots a cette dimension de ressusciter un peu ces chansons qu'on avait tendance à oublier. Hein. J'ai regardé sur YouTube et grâce à Back to the Roots, ces chansons qui étaient un peu enfouies sont revenues en surface. Tout à fait. J'ai vu pas mal de chansons de Issoé Samba, j'ai revu le répertoire de Pierre Didi Tchakounté et tout. Et c'est parce qu'il y avait votre chanson que Facebook, avec leurs algorithmes, fait remonter ces chansons. Ça, c'est une belle victoire. Ça. Ouais. C'est une très belle victoire. Ouais. Et c'était le but aussi. C'était le but de continuer de célébrer ces icônes-là. Parce que c'est notre héritage, on ne peut pas... Un mot pour Pierre Didi Tchakounté et pour les autres. Papa Pierre Didi Tchakounté et tous les autres, juste leur dire merci. Merci de nous avoir permis de reprendre ce titre-là. Merci à eux, merci à ce qu'ils ont donné à notre pays. Merci au plaisir qu'ils nous donnent, qu'ils continuent à nous donner. Et que Dieu leur accorde encore beaucoup d'années et qu'ils puisse être autant prolifique qu'avant. Merci. Ice, on va sortir par là, s'il vous plaît. Juste une petite reprise de la chanson, de ta chanson avec Tatillon. Moi, j'adore. Ça change pour moi, je ne chante pas aujourd'hui. Oui. Vas-y. Ah non, ton tour arrive. Oui. Allez, on va écouter Ice. Ok. Oui. Amongo madingwa eh, Madonna madingwa eh, Amongo ubelema eh, Madonna ubelema eh, Unema nemitera, nemitera, bebele nemitera, ici qui fiange. Bravo. Bravo, merci pour cette chanson. J'invite tous ceux qui regardent cette émission à s'abonner à la page, à la chaîne de X Maléa et vous allez regarder cette chanson à Mongo Madingwa, Ice et Tati Eyon. Magnifique chanson avec un clip qui a été magnifiquement fait. Roger, tu ne vas pas y échapper. Alors, un petit quelque chose. Moi, les gars, Roger, ça te trop. Oh, c'est toujours Roger qui chante. Oh, c'est toujours Roger qui chante. Yong ma ke sa oh bitam bitam bindam bindang eh anamora ka dang eh bindam bindang eh ananu oh bindam bindang eh. Oh là là, qui fait de ça? Ah, bravo, bravo.
Merci, merci infiniment Ismaëlia, merci d'être venu. Avant de conclure cette émission, je voudrais vous présenter quelques ouvrages qui peuvent vous permettre, chers téléspectateurs, de poursuivre la réflexion autour de la musique camerounaise. Tenez, on parlait des icônes de la musique. Il vous avait précédé cette fois en écriture, c'est Harold Ketchemen, Les icônes de la musique camerounaise, tome 1. Voilà, très bon livre. Très bon livre. Voilà, c'est j'ai, sorti. J'ai eu la chance de le parcourir, voilà, c'est un très bon sorti livre. Sorti aux éditions du. Et nous le conseillons à tout le monde. Voilà, c'est Harold Ketch, mélomane averti, passionné de musique. Il y a également cette chanson, on a parlé des groupes mythiques, Tête Brûlée, La Passion Bikutsi. C'est un livre de Joseph Fumchum et Anne Sion Perry. Un livre qui raconte l'histoire de. Des têtes brûlées à travers Zanzibar et Témé Théodore. Voilà, c'est un livre que vous pouvez avoir et c'est sorti aux éditions Ifriqiya. Et enfin, c'est également une autre icône qui n'est pas camerounaise, mais qui rassemble un peu tout le monde. Bob Marley et la fille du dictateur, un livre de Anne-Sophie Jean, magnifique livre sorti chez Grasset. C'est le roman vrai d'une relation amoureuse entre la fille de l'ancien président du Gabon et de Bob Marley. C'est très passionnant, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Voilà, messieurs, merci d'être venus. Nous allons nous séparer autour d'un petit verre tout à l'heure avec... Mais nous ne buvons pas d'alcool, il faut préciser ça. Oui. Ça, c'est le verre, là, c'est pour toi. Mais, nous, vous allez vous contenter. Voilà. L'alcool, je me dérange pas, même moi. Voilà, on va remercier notre annonceur pour cette bouteille pour permettre de célébrer Back to the Roots. Messieurs, merci infiniment. Merci. Et bon courage. On attend la tournée de présentation. Cet album doit être présenté en spectacle. Tout à fait. Il n'y a rien à faire. Ce ça doit être fait. Présenté en spectacle. Ce sera fait. On attend. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission. Autant le dire.